Salut les noiraudes, dans cette vidéo je vous montre comment réaliser ce petit bonhomme en pain d'épices. Donc il est réalisé au crochet, il peut servir de décoration de table, vous pouvez le mettre dans le sapin ou vous pouvez vous en servir comme porte-clés. Pour réaliser ce tuto vous aurez besoin d'un crochet, donc ici j'ai pris un numéro 3, de laine brune, d'un petit peu de laine rouge si vous voulez lui faire un sourire ou des décorations rouges. Un petit peu de noir également pour faire des décorations, pour faire ses yeux peut-être. Un repère. Une aiguille à laine. Des ciseaux. Un petit peu de bourre. Et alors si vous voulez rajouter des décorations comme le petit nœud ou les petits boutons, vous pouvez aussi en prendre. Donc on va commencer par faire un cercle magique. On prend son crochet, on vient passer, on attrape et on passe. Donc là on a une maille et en tout on va en faire 6. Donc 2. Quatre, cinq et six. On vient tirer le fil de départ. Hop, je tire jamais à fond pour dire de bien voir mes mailles et au rang d'après je tire bien. Donc voilà. Donc pour le deuxième rang, on vient faire une maille serrée dans une maille et une augmentation dans la deuxième. Donc, on fait une maille serrée, on vient mettre le repère comme c'est la première. Dans la deuxième, ici, on va faire une augmentation. Donc deux mailles dans la même maille. Une maille serrée. Dans une et une augmentation. Une normale et une augmentation. Hop, on vient refaire la première, on met le repère et on va pouvoir enchaîner. Le rang suivant. Donc pour le rang suivant qui est le troisième tour, donc le troisième rang, on vient faire une maille serrée, deux mailles serrées et une augmentation. Donc deux mailles serrées. Et une augmentation. On va faire ça tout le tour, on aura 12 mailles. Maintenant, du rang 4 au rang 7, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille. Bon, toujours avoir 12 mailles. Quand vous avez fini le 7e rang, vous venez repiquer dans la première maille et vous venez refaire une maille coulée. Vous venez couper un fil, hop, voilà, et vous le passez à l'intérieur de la maille. Ici vous avez une jambe de faite, on va venir faire la deuxième, mais cette fois-ci on ne viendra pas couper le fil au bout du 7e rang vu qu'on va venir les joindre ensemble. Une fois que vous avez fait la deuxième jambe, vous ne crochetez pas la première du rang 8, on va venir coller les deux. Donc pour ça, hop, on vient avec son crochet, hop, piquer dans la maille de la jambe de droite, on va dire, piquer dans la maille de la jambe de gauche et on va venir faire une maille coulée. Donc passer, le jeter dans toutes les mailles. Voilà, comme ça,
Vous avez joint les deux jambes. Et donc maintenant, on va continuer à crocheter normalement. Mais maintenant, en fait, on va commencer à faire le corps. À force d'avancer dans le crochet, donc maintenant on aura 24 mailles et non plus 12, vu qu'on a avancé. On va faire le corps, enfin du moins le bas du corps. Donc on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc quand vous avez fini une jambe, hop, vous attrapez non pas la maille serrée qui est attachée ici à l'autre, mais celle juste à côté, là. Et vous continuez toujours de la même façon, une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à ce que vous reveniez au départ qui est donc là. Donc vous voyez maintenant que vos deux jambes sont attachées. Donc vous refaites la première, si vous voulez vous mettez un repère pour pas oublier. Et donc on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, donc toujours pour en avoir 24. Donc ça du rang 9 au rang 16 inclus. Donc voici ce que vous obtenez après le rang 16, donc pour le rang 17. On vient faire 5 mailles serrées, donc la première est déjà faite, donc 1, 2, 3, 4, 5, on va venir faire 2 diminutions, donc pour faire une diminution, on vient prendre le bras extérieur de la maille suivante, on fait pareil pour la maille d'après, on fait un jeté, on passe les deux brins, on refait un jeté et on passe le restant. Donc on fait une deuxième diminution, donc brin extérieur deux fois, un jeté qu'on passe à travers les deux brins, on refait un jeté et on passe le tout. Voilà, donc après on fait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, et là on va encore faire donc 2 diminutions, donc brin extérieur, jeté, on passe le tout. On va en faire un deuxième, donc brin extérieur, jeté, on passe, et on va faire les deux dernières mailles serrées en mailles serrées. Voilà, donc pour le rang 18, on va refaire 5 mailles serrées. Donc une, on bouge le repère. Deux, trois, quatre. On va recommencer la quatrième. Hop, on va tout recommencer. Au moins, ce sera plus facile. Donc une, deux, trois, quatre, cinq. On va faire une diminution, donc brin extérieur, jeté, on passe, on refait un jeté et on repasse. On va faire 8 mailles serrées, donc 1, 2, 3,
6, 7, 8. Donc là, on va refaire une diminution. 1, 2, hop. Voilà, et on va faire les 3 mailles serrées qui nous restent. Pour le rang 19, on vient faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4. On vient faire 2 diminutions, donc 1 et 2, hop, voilà. Donc une fois les 2 faites, on va faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, les 5 sont faites. Donc, on va revenir faire 2 diminutions. Donc, 1, 2. Et on peut venir faire la dernière en maille serrée. Voilà. Ici, si vous voulez, vous pouvez remplir un petit peu avec de la bourre, sinon après ça va être un petit peu plus compliqué pour vous remplir votre petit personnage. Pour le rang 20, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On fait une diminution. On vient faire 6 mailles serrées. 1 refait une diminution. Et on va faire la dernière maille serrée. Voilà. Pour le rang 21, on vient faire 3 mailles serrées. 2, 3. On vient faire une diminution. Voilà, on vient faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on refait une diminution pour terminer. Voilà. On vient faire la première du rang suivant. On peut venir mettre le repère. Voilà. Donc, hop là. Pour le rang 22, on vient faire une augmentation. Donc, on refait une maille dans celle qu'on vient de faire. Comme cela. On va venir faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Voilà. On vient faire 2 augmentations. Donc dans 2 mailles. Donc 1 et 2. On va venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et donc on va faire une augmentation pour terminer. Pour le rang 23, on fait une augmentation. Voilà. On fait 5 mailles serrées. 1, 2,
et 5. Quand on a fait les 5 mailles serrées, on refait 2 augmentations. Donc une. Et 2. On refait une augmentation. 5 mailles serrées, pardon. Une. 2. 3. 4. 5. Et là, on fait une augmentation dans la dernière maille. On met son repère sur la nouvelle première maille pour le rang 24. D'ici, on va faire 10 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9. Dix. Hop. Donc quand on a fait les 10 mailles serrées, on va faire une augmentation. Voilà, on refait 6 mailles serrées. Voilà. Donc pour le rang 24, on vient faire 10 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et 10. Après les 10, on vient faire une augmentation. Voilà. On vient faire 6 mailles serrées. Voilà, et dans la dernière, on fait une augmentation. Des rangs 25 au rang 28, on vient juste faire une maille serrée dans chaque maille, et donc on a toujours 20 mailles. Pour le rang 29, on va faire une diminution. On met le repère. Après 7 mailles serrées. Ensuite, on refait une diminution. Et 9 mailles serrées.
Pour le rang 30, on fait une diminution. On met le crochet. Voilà, on va faire 5 mailles serrées. Une fois les 5 faites, on refait une diminution. Voilà. Et on revient faire 9 mailles serrées pour terminer le rang. Pour le rang 31, qui sera notre dernier rang, on va venir faire 8 diminutions. Quand vous avez fini les diminutions, vous venez couper votre fil, que vous passez à l'intérieur de la dernière maille. Donc le bout de fil ici, on va venir le mettre sur une aiguille à laine et on va le rentrer à l'intérieur pour que ce soit bien rond et qu'on n'ait pas une petite queue comme ça au-dessus. Donc pour les bras, on va venir faire un cercle magique. Dans lequel on va venir faire 6 mailles. Donc on vient tirer sur le fil pour refermer le cercle magique comme tout à l'heure. Donc ici on va venir faire une maille serrée dans la première. Voilà, on met son repère. Dans la suivante, on va faire une augmentation. On fait une simple et une augmentation. Une simple et une augmentation. On refait la première pour le rang suivant. On vient mettre son repère dessus. On serre bien le départ. Et donc maintenant, du rang 3 au rang 8 inclus, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc ici, on a 9 mailles. Donc du rang 3 au rang 8, on va venir juste refaire une maille dans chaque. Une fois le rang 8 terminé, on vient piquer dans la première maille du rang 9 et on vient juste faire une maille coulée. Donc on va laisser un long fil pour pouvoir venir coudre le bras. Hop. Qu'on va passer dans la boucle. Voilà, vous venez rembourrer un petit peu votre bras, vous en faites un deuxième et on se retrouve après pour les finitions. Vous pouvez maintenant venir lui coudre des bras, mettre de la décoration. Donc moi je vais lui mettre des petits boutons sur le devant, je vais venir broder les yeux et la bouche. Et peut-être lui mettre un petit nœud papillon autour du cou. Voilà, vous avez fini votre petit bonhomme en pain d'épices. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Bisous les noiraudes !